Konami présente Suikoden. S'il vous plaît, dites-moi une réponse. Est-ce que le destin est scellé à tout jamais ? C'est pas comme si on voyait tout le jeu d'un coup. De la démo dans sa boule de cristal. Même si avec le moins de pouvoir qui existe, l'existence de l'homme sera condamnée à être sans but précis. Suikoden! La saga jeux vidéo ludique polygonale sur notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé Vieille Station. Aujourd'hui, on s'attaque au jeu vidéal préféré du joueur du grenier de Frédéric Mola. C'est bien entendu Suikoden, l'un des tout premiers jeux réellement d'aventure. Hein. C'est vraiment un jeu japonais qui est sorti effectivement dans nos contrées, mais il est sorti qu'en anglais. Et là, vous avez entrevu un petit peu mes petites pattes au tout début de la vidéo qui avait un petit truc après Konami. Eh bien, oui. C'est une version intégralement en français qui est sortie grâce à la petite équipe de CR Hack. Et donc on leur dit merci beaucoup puisqu'on peut enfin profiter de ce jeu avec tous les textes intégralement traduits en français depuis la version anglaise. Vous pouvez pas sauver. Voulez-vous commencer le jeu maintenant? Mais bien entendu. Alors, le petit Yenoul qui va bien, bien entendu. Whoop. Donc déjà, rien que la musique, déjà ça donne envie. On a des petites empreintes qu'on a chopées ça et là à Zelda. Oui, c'est parti. Et c'est parti pour, je pense, soit une bande-annonce, soit une explication scénaristique, parce que le jeu va être très lent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un des écrans de chargement les plus, on va dire, complètement hors propos par rapport au jeu, à mon avis. Puisque, alors, je le découvre en même temps que vous, mes petites pattes, hein, pour le coup. Je sais qu'il y a plein... Il y a plein de gens qui l'ont eu sur PlayStation, puisqu'il est sorti d'abord au Japon en 95, aux États-Unis en 96 et en 97 en Europe. Donc en France, mais en version anglaise. Alors, on va discuter avec ce bonhomme. Donc, je commande le héros qui a son petit bandana vert et qui est un petit peu déguisé comme Sora dans Kingdom Hearts. Alors, Théo. Donc c'est Théo qui parle. Que se passe-t-il, Yenoul? Es-tu nerveux? Ne t'inquiète pas. L'audience sera vite terminée. Un peu comme un FF, hein, finalement. Reste toi-même. L'empereur peut paraître sévère, mais il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Donc apparemment, je vais avoir une petite audition. Maître Théo, Maître Yenoul, l'empereur est prêt à vous recevoir. Par ici, s'il vous plaît. Ok, donc on essaye. On remarque quand même que le sol, il est super ciré. J'annonce Théo Magdal, général de l'armée impériale, et son fils... Yenoul Magdol, oui, ce qui avait l'air logique. Heureusement que on peut faire un jeu de mots avec Magdol, hein, pour le coup, si le prénom est un peu bizarre. Présent afin de rencontrer l'empereur. Donc là, on passe tranquille. Apparemment, mon papa est super puissant. Non, la musique qui envoie, hein, vraiment. Barbarossa. Bienvenue, Théo. Et comment vont les affaires? Aussi bien qu'à l'époque où nous combattions côte à côte dans la guerre de succession, votre altesse. Et non, pas la sécession, bien sûr. Ah, des paroles pleines de vigueur, ne trouvez-vous pas, Winnie? En effet, je reconnais bien là les paroles d'un grand général. On remarque que Winnie est complètement à gauche. Enfin, remarque, il y a plein de personnes qui sont à gauche et à droite de l'écran.
Théo, tu dois être au courant des récents conflits qui ont lieu actuellement dans le Nord. J'aurais aimé que tu t'y rendes afin de protéger nos frontières. Les différends avec la ville d'État de Johnston sont assez complexes. Mais si le général McDowell est sur l'affaire, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Brack, ma fidèle épée, m'a sauvé la vie en d'innombrables occasions. J'aimerais que tu l'emportes avec toi. Je te la confie. Master Sword, pa-da-da-da! Là, quand je disais des empreintes à Zelda, c'était pas pour rien. Je vous remercie, votre Altesse. Moi, Théo, jure de ne pas vous décevoir. Tu as ma bénédiction. Bonne chance, Théo. J'ai envie de te dire, et moi. Ainsi tu es, Yenul, le fils de Théo. Tu as déjà fière allure. Écoute, Yenul, penses-tu pouvoir donner un coup de main à l'Empire pendant que ton père protège notre frontière au nord? Donc, premier choix du joueur dans le jeu, oui ou je refuse. Je pense que si tu fais « je refuse », il y a direct le game over, donc... Oui, votre majesté. Ainsi, tu suis les traces de ton père, c'est bien. Je me réjouis de te voir grandir et devenir un homme. Je vous remercie pour vos paroles bienveillantes, votre Altesse. Le commandant Kras de la garde impériale supervisera Maître Yenul. Déjà, je pense qu'on t'accueille quand même plutôt pas mal dans ce jeu. Quel séduisant jeune homme vous êtes! Bonne chance à vous, Yenul! Nous ferions mieux d'y aller, votre majesté. Je compte sur toi, Théo. Et Yenul, j'espère que tes efforts surpasseront ceux de ton père. Enfin, s'il est occupé à défendre tout le village aussi, ça va être un petit peu difficile. Allons-y. Ah bah ça valait le coup de s'arrêter! Voilà, et là... Tu es de tes pieds en canard, c'est la chenille qui en est mort. Donc là, il y a ton père qui te colle au masque. Et tu peux pas t'en défaire. Hein. Voilà, donc pour se déplacer, l'effet générationnel, bien entendu. Croix, c'est pour avoir une action pour parler ou des choses comme ça. Comme ça, on parle directement à elle. Adam Windy. Pourquoi Adam Windy était-elle présente à cette audience, elle aussi? J'ai entendu dire qu'elle était... etc, etc. Cercle, on m'a dit que c'était soit pour annuler les options... choisi ou soit pour tout simplement se dépêcher un petit peu. Tiens, on va lui parler lui à ce. Alors, Omar Sharif au niveau de l'avatar. Ah, Théo, on dirait bien que tu as fait cadeau au monde à un merveilleux garçon. Je t'envie, tu me fais rougir. Alors, je sais pas si au niveau des inventaires, avec Select, est-ce qu'on a le droit à nous. Alors, objet. Alors, ça, c'est vraiment un super truc que d'avoir tout le jeu en français. Remède, hein, donc ça c'est bon. Statue, donc nous sommes maître, bâton, croc de loup. Ah oui, ça c'est pas vraiment satisfaisant. Rune, on en a pas encore. Formation. Elle ne saurait tarder et équipée. Rien d'autre. En plus, on est, on va dire, en sécurité dans ce petit château. Et ben on va descendre, écoute. Donc les chargements sont extrêmement rapides, hein, comme... ben, on avait vu Ark the Lad. Et il y a le 2 qui... que l'on va traiter dans pas longtemps, hein, surveille Station dans les petites pattes, ne vous inquiétez pas. Voici le bureau de Kras. À partir de demain, c'est à lui que tu feras tes rapports. Va donc te présenter. Bonjour. J'imagine que c'est lui. C'est donc toi, le fils de Théo. Quel est ton nom, Yenul? Sache que le fait que tu sois le fils d'un grand général m'apporte peu. N'aura aucun traitement de faveur. Rentre chez toi maintenant. Le travail commence demain. Voilà la première heure. Eh ben, quel accueil! Tu allais te présenter? Je dois admettre que je suis un peu surpris qu'on t'ait confié une telle mauviette. Enfin, on peut-être mieux de rentrer. Grémio doit être mort d'inquiétude. Grémio, est-ce que c'est maman? On ne sait pas. Alors là, Jésus prend la manette, hein, là, pour le coup. Je ne fais rien. Donc, que dire sur Suikoden? C'est un excellent jeu, c'est un très très long jeu. Je dirais qu'il a... bah comme les jeux du genre, hein, c'est un JRPG, donc ça doit être entre 60 et 90, 100 heures, hein, comme un Zelda aussi également. Et il a imposé un petit peu sa patte, ce qui fait que sur PlayStation, c'est vrai qu'on a rarement vu ça, c'est vraiment une vraie aventure, mais qui se joue quand même en temps réel. Et au niveau du scénario, il faut dire qu'il y a 107 personnages, enfin 108 personnages avec nous,
Et il faut récolter 108 étoiles, ce qui fait un petit peu aussi long qu'un Super Mario 64, c'est quand même pas mal. Grémio, bienvenue chez vous, jeune maître. Alors, comment c'était tout s'est bien passé? Étiez-vous nerveux devant l'empereur? De mon côté, je n'ai pas cessé de penser à vous. J'étais si inquiet. Mais je suppose que tout c'est bien passé. Tu ne devrais pas t'en faire à ce point, Grémio. Maître Théo, je ne vous avais pas vu. Tu ne? Oh grand Dieu. Tu ne t'intéresses donc qu'à Yenul? Ah! Not comme un arcosol. Je suis désolé, Maître Théo. À propos, jeune maître, Ted est venu pour vous féliciter. Oh mon Dieu! J'oubliais. Le mec oublie tout, hein. Le ragu. Et il se barre. Et mon père aussi, du coup. Donc je vais pas suivre mon père. Ah, ça c'était l'étage. Donc là, les escaliers sont modélisés comme ça. J'ai entendu la nouvelle, Yenul. Alors, tu as rencontré l'empereur? Allez, raconte-moi tout. Allons dans ta chambre, d'accord? Je veux tout savoir sur l'empereur. Et tout de suite. Combien veut sur son prix? Et Ted rejoint le groupe. Voilà, donc quand je disais que... il fallait collecter les étoiles. Et chaque étoile était représentée par un personnage. Et bien là, c'est exactement le cas. Voilà. Dans notre groupe, donc j'imagine que si j'appuie sur Select... formation, voilà. On peut switcher entre les deux personnages. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, je sais pas, mes petites pattes, parce que là, 20 minutes, c'est vraiment ultra court pour un jeu comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger la version patchée en français par l'équipe de CR Hack. Ainsi que sur le site, je crois qu'il y a une mine d'informations, sur le site de Valley 8, V-A-2-L-Y-8. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Où il y a les solus, toute la documentation en français, et tout pour bien être dirigé sur Suikoden, parce que là on verra, je sais même pas si on verra un combat, quoi, tellement le jeu est long. Je dois beaucoup à Maître Théo de m'avoir adopté lorsque j'étais orphelin. J'aimerais lui rendre service à mon tour. Là, il y a des gens tranquilles, on a l'impression que j'espère que c'est l'auberge. Évidemment. Eh bien, je ne sais pas. Alors là, je sais pas, je sais... bah du coup, je sais pas. On va lui dire évidemment. Génial! Je savais que je pouvais compter sur toi. Enfin bref, parle de choses plus importantes, dis-moi. Ça fait quel effet de rencontrer l'empereur? Et Windy, la magicienne de la cour, elle est jolie! Allez, garde pas tout ça pour toi! Le mec est quand même un gros chien qui a la dalle, hein, je veux pas dire. Je vois. Ce que j'aimerais voir Windy en personne. C'est bien ce que je disais, voilà. Hé, hey, Yenul! Je sais pas vraiment comment te dire ça, mais... Tout le monde passe à travers les portes. Dis-moi, Yenul, y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Serais-tu garder un secret? Peux-tu me promettre de ne jamais révéler ce que je suis sur le point de te dire? Jeune maître, Ted, le dîner est prêt! Ah, eh ben c'est l'heure de dîner. Quel suspense, mes petites pattes, quel suspense! Allons-y, Yenul, nous pourrons en parler une autre fois. Bah, surtout s'il est dans le groupe, hein. Je pense que. Il y aura. Quelques occasions. J'imagine que ma place est ici. J'ai le droit à la bouteille, hein. Tout le monde a le droit à son verre, le vin rouge, mais moi j'ai le droit directement à la bouteille. Eh bien, tous un verre, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît. Cling, 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 cling. Demain matin. Je vais devoir partir pour le nord. Ah, ces soldats du grand froid, pour lesquels les Staros et les Stark sont en train de... Non, Yenul sera responsable de la maison en mon absence. Normal, c'est le fils. Je compte sur votre soutien pour l'aider dans sa tâche. Eh ben, ça se bouscule pas au portillon. Rémio. Oui, monsieur. Tu as pris soin de Yenul depuis sa plus tendre enfance. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est bien grâce à toi. Et je t'en suis très reconnaissant. Mais monsieur, c'est mon travail. Et d'ailleurs, servir le jeune maître est un réel plaisir pour moi. Cela me touche, Grémio. Continue comme ça. Ah oui. Ah, continue comme ça, Grémio. Ah, Cléo. Pan. Je compte également sur votre aide et votre protection. Oui, Maître Théo. Bien sûr. Ah, monsieur. Ah, vous pouvez nous faire un confiance. Hein. Et Ted, j'espère que toi, Yenul, resterez amis pour la vie.
rien au monde ne saurait briser notre amitié, n'est-ce pas, Yenul? Bon, en même temps, t'as pas trop ton mot à dire, donc... Assez discuté. Devrions manger avant que cela ne refroidisse. Mais bon, portons un toast. Et il lève son crâne. À mon fils, l'Empire. On note quand même que mon personnage est tourné vers le protagoniste qui est en train de parler, donc mon père, et ça je trouve ça très bien. Noir et blanc, alors soit c'est un flashback, soit c'est ce qui se passe pendant la nuit pendant que je dors. On dirait bien que je ne pourrai plus voir ton visage pendant un moment, Yenul. On note que je dors les yeux ouverts. Dois-je le réveiller? Non, non. Laisse-le dormir. Seul moment où il n'y a pas de musique, puisqu'on est en train de dormir. Ce n'est pas comme si nous disions adieu. Oh, on sait pas. Jamais dire jamais. Allez, trois petits points. Non, ça, allez. Hey, ce scénario, je n'y tiens plus. Je n'y tiens plus, petite patte. Grimio, prends bien soin de lui. Comptez sur moi, maître Théo. Étant donné qu'il n'y a pas de voix, hein, faut bien trouver un petit peu. Mettre un petit peu de vie là-dedans. Donc, nous nous réveillons. Ou pas. Je vois qu'on a les yeux ouverts, mais à part ça, c'est comme la nuit, quoi. Ah oui, ça y est, j'ai tourné la tête. Oh, je vous ai réveillé, maître Yenul. Oh, bonjour. Écoutez, jeune maître, votre père est parti pendant votre sommeil. Vous levez tellement tard. Bah vas-y, traite-moi de loc aussi, voilà, c'est bien. C'est votre premier jour en tant que membre des forces impériales. Bah tu parles à un joyeux Noël, toi. Nous devons nous préparer pour aller rendre visite au commandant Crase. Grémio rejoint le groupe. On est trois. Et voilà, eh. Franchement, on remplit le Pokédex, tranquillou. Je trouve qu'il s'habille extrêmement vite. Et nous devons rejoindre Crase. Donc là, c'était... la salle, alors est-ce qu'il y a des petits objets comme quoi... On note les petits oiseaux. Donc armure, ça c'est bon. Ah lui il a rien, lui. Rien, manteau de cuir, rien, cap et rien. Mais où est... on était trois. Bon tant pis. Nous verrons ça plus tard, mes petites pattes. Ou pas, hein, vu le temps, que... le temps que ça met. Alors je voulais faire... Ah, avec carré. Non, même pas. Carré c'est exactement comme select, c'est pour l'inventaire, mes petites pattes. Ah, tout le monde, il est là. La prochaine fois qu'on aura un jour de congé. Ah, oh, le voilà, tu sais pas de quoi il parlait. Ah, le voilà, vous êtes en retard, jeune maître. C'est votre premier jour à la travail. Je suis si excité, si... Tu notes la liaison. Il faut se battre contre les bandits du Mont Safe. Ou encore contre les monstres de l'Actoran. Je suis votre homme. Enfin, je suis votre homme. Ça, calme-toi, veux-tu? Tu penses donc à te battre? Notre boulot consiste simplement à protéger le jeune maître. Je sais... Bref, je crois qu'il est temps de rejoindre le palais. Oui! Pan rejoint le groupe et peut-être que... Oh oui! Nous sommes cinq, Léo rejoint le groupe! Quel boys band! Eh, attends-moi, Yenul! Comment peux-tu me laisser là? Ben, t'étais censé... à rejoindre le groupe déjà, dès lors. Tu sais très bien que tu serais perdu sans moi. Ah, il est nul. Bon, on va le chercher. Ah non, il vient direct. Ah oui. Ah, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Et nous voilà, nous voici, dans la ville. Enfin, la vraie ville. Le vrai village, le tout premier dans lequel tu attends à chaque JRPG. C'est celui-là, c'est une étape obligatoire pour les marchands. Les équipements, les conseils, les missions annexes, les missions, peut-être les missions principales également. Ou si tu t'enfuis, tu seras bloqué pendant après une heure dans ce village. Si tu veux continuer la quête tout simplement et continuer le jeu. Et ça, c'est quelque chose de... C'est une vraie pierre en fait, hein, qu'on apporte dans ce genre de jeu. Et que ce soit Final Fantasy, que ce soit Zelda, il y a obligatoirement ce genre de village là qui te permet d'amorcer en fait tout simplement le jeu. Et c'est ça qui est beau. Vous là-bas, que faites-vous par ici? Ceci est la demeure du général Théo McDonald. Quoi? Vous êtes son fils? Ah bah, excusez-moi la politesse, monsieur. Voilà, en plus, les dialogues sont pas piqués les hannetons. Ah, mais les oiseaux qu'on avait lors de l'écran de chargement, les petites pattes. Donc c'est plutôt bien modélisé, hein. Ça a bien vieilli. Parce que c'est quand même un jeu en 2D, hein, faut le noter. Un 2D, en 2D, mais isométrique un petit peu. Un petit peu vu de dessus. Depuis la nouvelle du départ de Théo,
Dame Sonia n'a pas l'air très bien. Je vais dire que c'est Dame Sonia. Sonia Shonen. Alors comme ça, le général Théo est déjà parti pour le Nord? J'aurais voulu l'accompagner, mais moi aussi, j'ai mes responsabilités en tant que général impérial. Yenul, j'espère que tu me rendras visite de temps en temps. Alors, cette insinuation, j'espère que tu me rendras visite de temps en temps, bon ouais. Je me sens mieux en contemplant ton visage. Oui, je pense que la relation est déjà bien bien avancée, hein. Est-ce que tu veux pénétrer dans le groupe? Ragoujo. Ah ben voilà, elle aussi fait du ragout. Donc, je pense également que nous sommes en hiver. Voilà, le petit secret pour dormir, en fait, c'est qu'il y a un bloc. Il y a un bloc couverture, demi-sommier, enfin, pied du lit, et un bloc tête de lit. C'est pour ça qu'en fait, on croit que là, il est allongé alors qu'il est complètement debout. C'est génial. Alors, il n'y a rien sous le tapis non plus. Alors, c'est un jeu où on ne fait qu'explorer, on ne fait que avoir de l'aventure à chaque coin de porte, à chaque rue. À chaque dédale, à chaque pierre. Donc du coup, c'est vrai que ça savoure, quoi. Donc, là, c'est un tout petit aperçu, mais jetez-vous dessus. Vraiment. En plus, c'est une exclusivité PlayStation, donc vous avez pas trop d'excuses pour le faire sur d'autres plateformes. Là, faut vraiment soit prendre un émulateur avec le hack, donc de CR Hack, hein, je répète, qui est entièrement en français par rapport à la version PAL, qui est sortie uniquement en anglais chez nous. Vous avez déjà entendu parler des runes? Et de tâter un petit peu ce jeu. Alors, il y a une grande saga, hein, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 jeux dans le monde entier. Vous pouvez vous faire lier les pouvoirs pour un maître des runes. Ça vous procurera des pouvoirs magiques. Donc, il y a des pouvoirs magiques, il y a des armes de poing, des armes de contact, des armes blanches. Ah, petit marchand peut-être. Bienvenue. J'ai 1500 or, très bien. Et je vous aider. Lié au téléphone. Donc, ça, c'est les, j'imagine, les runes, hein, ce qu'il vient de nous dire. Et quel cristal? Mais je n'ai pas de cristal! Donc on appuie sur cercle pour annuler, hein, pour revenir, bien sûr. Eh bien, ce sera une fin. on va quand même encore essayer de voir un petit peu plus de village, hein, mes petites pattes. Ou tout simplement sortir. Et voler de nos propres ailes. En général, il t'empêche. Ah, mais voilà! Là, on sent l'inspiration de Evoland. Hein, les petits gars de chez Evoland... qui en fait consistait à avoir l'évolution du jeu vidéo en partant de la première dimension. Oh, l'effet 3D. Et voilà. Ah mais là, voilà, premier combat face à des moustiques. Alors, sachant que nous sommes en hiver, c'est un petit peu bizarre. Donc tu vas attaquer celui-là. Ok, oui. J'étais censé attaquer en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, comme ça... on fait les attaques d'insecticides. Non, mais c'est qu'en fait, on n'est pas obligé directement de sortir dès le départ. D'ailleurs, c'est ce que conseille l'ami Vali8, de pas tout de suite forcément attaquer. Mais étant donné que ce sont des ennemis quand même assez accessibles avec notre piètre niveau, eh bien, on peut quand même se faire plaisir et faire un combat. Donc, on aura quand même vu un combat sur Suikoden. Donc, je pense que Frédéric Molas... Oh! Il y a quelqu'un qui a déjà plus de vie. Ah, mais on va se faire pourrir, en fait. Donc, on peut fuir, hein, y a pas de souci. Ça, le petit bonhomme noir, je sais pas à quoi il sert, vraiment. Il y a des runes également. Qu'est-ce qu'on a comme objet? Le remède, donc d'accord. On peut quand même se soigner. Ça va être épique, hein, mes petites pattes. Et en fait, vous avez vu, hein, il y a un petit disque noir dessous qui permet, en fait, de sélectionner quel ennemi et quel personnage. Non, je n'ai plus qu'un seul. Oh là là! C'est-à-dire payer. On peut payer le combat. C'est une blague. Combat. Alors, objet. Remède sur ma pomme. Et je pense que ça ne vaut qu'un tour. 18. Ah. Abandonner ou se relever. J'imagine que ça coûte des sous. On va essayer abandonner, juste pour voir le game over. Et se laisser là-dessus, hein, mes petites patins. J'espère que ça vous a plu. Alors, évidemment... la voix n'est pas de mise, bien sûr. Je dirais que l'aperçu, voilà, CR Hack. Voilà, c'est eux, les petits gars. Aussi, l'emballage n'est pas du plus bel effet, puisqu'on n'a pas vu beaucoup, beaucoup du jeu, puisque c'est un très, très long jeu. Et il faudrait peut-être 1 à 2 heures pour commencer à voir la substantifique moelle
de la des compétences de ce jeu, parce que ce jeu quand même vaut beaucoup beaucoup le coup. C'est une très très grande aventure. En tout cas, je vous dis matané pour certains, j'espère que ça vous a plu, hein. Je vous dis à la prochaine pour d'autres, et pour tout le monde, je vous dis ciao.